Hello. Là, je me trouve dans le quartier de Bretagne. Je crois que c'est ça. C'est un quartier breton. C'est super beau. On arrive, c'est un petit passage. Le quartier de Bretagne. Au plafond, il y a des photos. C'est magnifique. C'est à Bouillon. C'est le plus joli endroit, je pense, de Bouillon. Super beau. Fleurie. La petite musique et tout, c'est magnifique. Plein de petits oiseaux. Tellement apaisant ici. Truc de fou. C'est fleuri. C'est en plein milieu de la ville en plus. Pile poil au milieu. Si vous regardez sur une carte, il y a une carte devant. Pile poil au milieu. Petite cascade. Là, je suis dans le bois de Bouillon. Il pleut pas, hein, mais il y a de l'eau qui coule comme ça. Et après, elle descend dans la rivière. Il est bien ce bois-là parce qu'il y a plein de... Comment on appelle ça? Genre de pied avec quelque chose à lire, où ils expliquent plein de trucs sur les animaux, les fruits. Par exemple, je viens d'apprendre que quand on a un arbre avec des fruits, en fait, faut laisser quelques fruits pourris. Parce que tous les insectes, tous les trucs, ils préfèrent... Bah, ils préfèrent tout ce qui est pourri en fait. Du coup, ils vont aller se mettre au lieu de. Si on laisse pas les fruits pourris, en fait, ils vont aller sur d'autres qui sont bons à manger, jusqu'à temps qu'ils pourrissent aussi. Tandis que si on laisse le fruit pourri, bah, ils vont aller que là-dedans. Plein de petits trucs comme ça. Pareil sur les hérissons aussi. Les hérissons, ils disent qu'ils sont très craintifs. Dire que dès qu'on va les embêter ou quoi. Enfin, même pas les embêter si on reste en gros trop longtemps à côté de là où ils nichent. Ben, ils seraient prêts à déménager en fait. Plein de petits trucs comme ça. Sur les oiseaux. Les oiseaux, ils mangent 15 000 chenilles par an. Truc de fou.